Le cours d'eau plonge dans l'océan. Ok. Ensuite, 12. Le cours d'eau plonge dans l'autre rivière. Dans un autre, on va dire. Voilà. Et enfin, le dernier point, celui qu'on vient de créer. C'est un peu la magie. Donc le cours d'eau plonge, revient sur lui-même, créant un petit lac. Alors très longtemps, j'ai eu du mal à différencier étang, lac, tout ça. Donc là, on a fait ça. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Non, je crois qu'on a tout. Ah si, ou très important. Donc déjà, on va voir un petit peu. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir suivre les rivières. Ça c'est cool de chez Coolos. Je vais quand même enlever dans Explore. Attends, il y a un truc que j'avais modifié. Non, c'est cool. Donc, je regarde. Ah, c'est intéressant. Ici coule un ruisseau, prime. Ah, il m'y passe trois fois. Bref. Alors, un ruisseau naît ici. Ouais. Attends, il se passe quoi avec ça? Ah! Il va vers le sud. Pourquoi il est affiché trois fois? C'est étrange. Bref. Mais ça, c'est une question d'input, pas de question de truc. Alors, si la nature. Alors, vous savez quoi? Je vais faire. Ah, mais c'est écrit deux fois! Fibre, fibre, tu fais n'importe quoi. Donc là, si nature égale à... Si nature est supérieure à 0, mais et il est où? Cela dit, j'ai vraiment changé mon mode d'alimentation et j'ai l'esprit beaucoup plus clair en ce moment. Inférieur à 5, strictement. La source, le ruisseau jaillit d'une source. Jaillit d'une source à même le sol. Voilà. What? Ouais, ok, ça marche. Non, c'est bon. Ok, on va en faire les choses différemment. D'accord? Déjà, on va mettre ça là. Ok. J'ai envie de faire des else if. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, else. Mettre ça là. Là, je mets un else. Et si else était le mot de la langue française le plus utilisé? Ouais, je pourrais faire un switch, ça c'est sûr. Alors, un ruisseau nommé. Alors, un ruisseau
nommé non-rivière jaillit d'une source à même le sol. Ensuite, le. Hop, 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 hop. Alors, on va mettre. Comment on dit? C'est UC First pour la première capitale. Hein. UC First type O. Non, comme ça, on aura un truc un peu chiadé. Vous allez voir, on va faire des trucs assez cool. Donc, un fleuve ou machin. On va dire le fleuve. Le ruisseau, la rivière, le fleuve, la cascade. Donc, on va dire la rivière, et là on met le nom. Plonge dans une grotte au flanc du rocher. Alors, same là, on va mettre. Plonge dans un grand océan. Ok. Ensuite, il plonge dans un autre cours d'eau. Ensuite, le cours d'eau revient sur lui-même. Voilà. Ok. Ensuite. Je voudrais faire quelque chose, c'est printer un BA, tu vois. Comme ça, si un saut de ligne, je veux dire. Parce que comme ça, s'il y a deux rivières. Alors. Ok. Ok. On va regarder ça. Donc, ensuite, on va regarder. Donc, un ruisseau nommé Prime jaillit d'une source à même le sol. Le ruisseau revient ici sur lui-même, créant un petit lac. J'ai mis le ruisseau et j'ai pas mis le nom. On le refait. Ok, donc déjà on arrive à faire des phrases, ce qui est assez cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Attendez, j'ai des messages. On va essayer de les enlever. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, ce qui va pas être de la tarte, c'est. Vous voyez, il y a les rochers sculptés, les mâts, tout ça. Tiens, on peut pas aller vers l'ouest? Pourquoi? Ah oui, parce qu'il doit y avoir une montagne. Enfin, vous savez, c'est les toutes premières montagnes qu'on avait fait, qui étaient bizarroïdes. Maintenant, on va faire en sorte que le ruisseau et se dirige dans la direction de Ma, tu vois. Non? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi pas? On va faire ça. Donc là, on a non repère. Voilà, à chaque fois il y a non repère, ok? Et par contre, il faut que je. Alors, attendez. Donc ça c'est. Attends, c'est quoi ça? Déplacement vers l'est impossible. Ça c'est. Voilà, donc là, je vais appeler ça non repère est, comme ça je le récupère. Ça, c'est l'ouest. Voir que je fasse plus de repères visuels, sinon on va pas s'en sortir. Ça, c'est le nord.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du but le sud, je crois. Alors. Alors là, on va mettre l'eau coule en direction de, tu vois. Donc, if et là, on va pouvoir suivre les rivières vraiment. If nature égale 1 ou nature égale. Alors pourquoi il y a deux directions? Parce que je différencie la source et le bras normal, tu vois. Nature égale 5. Alors. On va dire l'eau coule en direction du sud. L'eau coule en direction non du de eh non ça va pas. Alors, le repère c'est ça c'est pas très cool parce que c'est un rocher donc c'est du comment je peux faire ça en bon français? J'ai un rocher. L'eau coule en direction. Alors d'un rocher. Ouais, ça marche. Suis con. Alors. À part que là, c'est le nord. Donc, le nord, voilà. Un, deux. 3, 4 pour les 4 directions, donc sans suite c'est 2 ou 6. Ok. Ensuite, 3 ou 7. Et enfin, 4 ou 8. Regardons si ça marche. Alors, je rafraîchis. L'eau coule en direction de... Ça ne marche pas. Je regarde si c'est juste à cause de ça. Parce que, bon, je suis pas hyper... Oh, il va dans quelle direction? Il va vers le sud. Alors qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi il ne non repère nord, il ne le trouve pas? Pourquoi? Alors. Ah, peut-être que je l'ai mal placé. Ah, il n'y a pas de... Oh. C'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Ok. Attends, quoi? Donc là, on trouve quoi? Et sinon, il gêne. Ah là, c'est là en fait. Ah. Voilà. Donc c'est ça, je l'enlève là.